Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer la recette d'un gâteau fondant aux noix sans gluten, important, on va travailler avec deux types de farine dans ce gâteau et voilà, c'est un régal pour l'automne, moi c'est un gâteau que j'aime particulièrement, c'est aux noix, c'est voilà, c'est réconfortant, je l'aime beaucoup celui-là. Donc est-ce que vous êtes prêts pour le gâteau fondant aux noix sans gluten? Au niveau des ingrédients, super simple, on part sur un mélange de farine, j'ai farine de châtaigne et maïzena ici, sans gluten, épices, j'ai vanille et cannelle. Un peu de rhum facultatif, mais ça va donner un bon goût à ce cake, ça va très bien avec les noix. Pour sucrer ici, donc j'ai simplement du sucre blanc de canne, de l'huile de noix et du beurre. Donc ce mélange va être très très bien pour ce gâteau. Cerneaux de noix, 300 g et des œufs. Première étape, on va mixer les cerneaux de noix pour avoir de la poudre, comme de la farine de noix finalement. Donc ça, dans un robot hachoir et c'est parti. Voilà, si vous souhaitez laisser des petits morceaux de noix, il n'y a aucun problème. Moi ici, je suis parti sur quelque chose d'assez fin. On dirait un peu de la poudre d'amande au final. Voilà, je viens de faire fondre le beurre au micro-ondes. Je vais le laisser refroidir. Et pendant ce temps, dans ce bol, je vais mettre le sucre. On va mettre les épices, donc cannelle et vanille. Voilà, on peut commencer à mélanger l'ensemble. Et on va fouetter hein, avec les œufs jusqu'à l'obtention d'un mélange bien mousseux. Voilà, hop, on y va. Et il faut que le mélange soit bien mousseux, que le sucre fonde dans les œufs. Voilà, quand c'est bien mousseux, on va ajouter l'huile de noix. Si vous voulez, un peu de rhum ambré. L'alcool va s'évaporer et vous aurez juste le bon petit goût du rhum. Le beurre fondu. On ajoute la poudre de noix. Bon, bien sûr, vous pouvez faire exactement le même gâteau avec de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande. Puis la maïzena et la farine de châtaigne. Voilà, je soulève délicatement. Alors, on ne va pas avoir une pâte totalement homogène, hein, puisqu'il y a les petits morceaux de cerneaux de noix, mais on s'en approche. Voilà, là, on a la bonne texture, on va pouvoir transvaser notre préparation dans un moule à gâteau. Allez, on y va, on transvase. Le four est à 180 degrés, c'est un classique. On est parti pour 35 à 40 minutes de cuisson à 180 degrés, on vérifie bien. Voilà, notre moelleux aux noix est prêt, donc il est chaud là, hein. Je vais le mettre sur une grille. En attendant de pouvoir le retourner, on va le laisser refroidir et on pourra ensuite le déguster. Alors n'hésitez pas à ce stade, si vous voulez quelque chose d'encore plus moelleux, à l'imbiber avec un sirop, par exemple un sirop au rhum ou un sirop à la vanille. C'est pas obligé, moi je vais le manger tel quel, j'aime bien les gâteaux, voilà, un peu moelleux comme ça et tout, mais pas trop non plus. Yes, regardez ça, oh, superbe. Pour la décoration de notre gâteau aux noix, moi je vais mettre quelques cerneaux de noix autour comme ça. Et on va mettre un petit coup de sucre glace sur le contour. Alors, ce moelleux aux noix. Super bon. Il y a le petit goût de la farine de châtaigne qui va très très bien avec la noix. Voilà, ça c'est typiquement le genre de gâteau que j'adore. Un dimanche au goûter à l'automne là. Trop bon. Ça fait du bien, ça réchauffe. C'est que des notes hein, d'automne. Hein. Les noix, les notes apportées par le rhum ambré, également par la farine de châtaigne. On est très bien et c'est sans gluten. Donc si vous avez une intolérance au gluten, ce gâteau va vous plaire. Sinon, vous allez quand même aimer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit coucou, à vous abonner à RB Cuisine, activer les notifications. Et puis ben voilà, vos likes, vos partages me font toujours plaisir. À très vite sur RB Cuisine. Ciao.